اتحاد العاصمة من تسجيل لعبة الأقدمين.
Alors, le premier, le premier de tous, c'est toujours notre analyse de match. C'est toujours le premier, c'est le résultat. Le résultat, il y a la victoire. C'est l'objectif de le match, c'est gagner le match. Et gagner le match pour finir premier de groupe dans une compétition qui finit le groupe premier de groupe, c'est très important pour le prochain éliminatoire. Et l'équipe a joué 6 matchs, a gagné 4 dans cette compétition. Alors, je pense que le parcours de l'équipe dans cette compétition, de cette compétition pour l'instant, c'est un très bon parcours. Aujourd'hui, c'est un match que l'équipe a besoin de la victoire pour la qualification et aussi pour rétablir l'état moral de l'équipe. Alors, dans le football, toujours, il faut utiliser la victoire pour récupérer cette morale, pour utiliser une parole, pour l'état d'esprit. Jouer avec la pression, c'est normal dans le football professionnel, mais aussi nous devons savoir la difficulté de jouer avec la pression de que c'est l'exigence de gagner, se demander la victoire, et parfois quand tu viens de les anteriors défaites, je pense que l'équipe peut utiliser cette victoire pour cette récupération. Aujourd'hui, à mon avis, c'est un match plus difficile que se dit ou que se pense, parce que l'équipe adversaire s'est déjà éliminée et l'équipe adversaire a joué sans pression, aucune pression. Il a joué aussi d'une manière tactique différente. Je pense qu'il a joué d'une manière comme, c'est pas grave si nous pouvons faire ça ou ça, s'ha libéré. Même c'est une équipe très difficile, quan tu has fet l'anàlisi de tots els anteriors matchs, c'est un equip très difícil, c'est un equip que fa beaucoup de producció ofensiva, c'est beaucoup de producció de balón arrêté, beaucoup de producció a les atacs a les côtés. Jo penso que notre equip ha controlat el match, nous avons fait le premier but, l'equip marche bien avec le control de les match. Malheureusement, le but de Supersport, c'est una acció que jo penso que sigui un accident, perquè hi ha un mauvais de gas, el baló se controla a nous, hi ha una bona posició defensiva, però aquest mauvais de gas ha donat a Supersport la possibilitat de tirar a but d'una manera très, très, très dangerosa. A partir de aquest but, c'est la importància de la... Aquesta situació és difícil, perquè amb el match nul, amb aquest etat que ja et parlé abans d'esprit, que l'equip em manté nerveux, amb la pressió, c'est le moment difficile et je pense que la réponse de l'équipe c'est très important. À partir de le but de Supersport, le match s'est tourné plus difficile. Il y a aussi plus espace pour Supersport parce que notre équipe doit aller pour faire le but. Et je pense que la réaction dans la deuxième but, dans le deuxième mi-temps, l'équipe a montré l'engagement, a montré l'équipe la passion de gagner, le désir de gagner, spécialement les remplaçants comme Canu. Je pense que Canu aujourd'hui c'est un très bon match pour se reivindiquer et montrer que c'est un attaquant qui toujours donne le maximum pour l'équipe et que déjà a fait des buts importants dans cette compétition. Et aujourd'hui, ce but c'est très important aussi pour lui parce que je pense que c'est un joueur qui est important pour nous. Aussi, Usama Belatrache, il l'a donné à l'équipe, à Kram quand il a sorti, à Idhas quand il a sorti. Je pense que la victoire. Je pense qu'il faut toujours donner valeur à ce que l'équipe fait. Parce que si se pense que c'est facile, si se pense qu'il n'y a pas de problème, il y a des problèmes, il y a des difficultés. Alors, victoire, première de groupe, 4 victoires de 6 matchs. Je peux dire félicitations à les joueurs, félicitations à l'équipe. Et utiliser cette victoire pour, bien sûr, toujours améliorer. Salam alaikum. Monsieur Gagné, bonsoir. On a senti que malgré la victoire d'aujourd'hui, on a senti cette tension toujours qui existe entre les supporters et les joueurs. Comment vous avez l'intention de gérer cette situation? Comment vous gérez bien évidemment le groupe qui se trouve sous pression? Il faut accepter ça. Ça, c'est le football professionnel. Il faut accepter ça. J'ai déjà parlé ça avant le match, durant le match et après le match. Nous sommes dans le football professionnel. Le football professionnel, il est public. Le public te demande la victoire. Le public veut être très satisfait avec l'équipe, avec le jeu, avec le résultat, avec tout. Et nous devons gérer ça parce que c'est part de notre profession. Et nous devons, avec naturalité, accepter que ça, c'est part de notre profession. Mais aussi, c'est difficile parce qu'il faut gérer cette pression. Et pour les joueurs, toujours, c'est plus facile jouer
en un état de calme et tout ça, bien sûr. Mais écoute, nous avons gagné beaucoup de matchs, tout va bien, nous avons perdu 2-3 matchs. Maintenant, il faut réactionner et accepter la critique et accepter la, tout. Il faut accepter et il faut continuer. Maintenant, heureusement, c'est la victoire. Parce que dans cet état d'esprit, c'est possible que tu penses que le match est gagné et tu fais match nul et alors tu es plus énervé. Alors la victoire te donne la possibilité de récupérer. Dans les matchs, toujours il y a des situations que se peuvent améliorer. Je ne te peux pas dire que c'est toujours tout magnifique. Non? Il y a des situations que nous pouvons améliorer, mais la vérité c'est que nous pouvons améliorer plus avec la victoire. Alors utiliser la victoire pour cette récupération aussi mentale, parce que c'est possible le plus important. Coach, la victoire aujourd'hui vous permet de finir la première de votre groupe. C'était important de finir premier dans cette compétition. Et le championnat, c'est une autre compétition qui commence pour vous. Comment vous allez gérer ça? Je pense que c'est très important, bien sûr. Il y a des compétitions que si tu finis premier ou non premier, c'est pas important. Mais cette compétition, c'est très important, non seulement pour l'adversaire, que tous les adversaires sont difficiles, mais aussi pour la... Jouer le premier match à l'extérieur, le deuxième match à notre stade. Bien sûr, notre idée, c'est jouer le deuxième match à notre stade avec notre public, tous ensemble, fort, être plus fort pour une victoire qui donne la possibilité de gagner le trophée. Alors, il faut continuer, il faut utiliser aussi cette victoire pour conseguir cette unité et que nous sommes... parce que l'équipe montre dans le terrain que veut gagner le match. Alors, il y a... toujours il y a la difficulté, toujours il y a l'adversaire aussi va jouer, l'adversaire aussi te va donner des difficultés, mais je pense que l'équipe donne le maximum pour gagner chaque match. Et aujourd'hui, votre question, la réponse est claire. C'est très important, finir premier de groupe, te donne la possibilité de la prochaine éliminatoire aller pour gagner l'éliminatoire. Je pense que c'est très important. Bonsoir coach. Bonsoir. Ça fait un match consécutif pendant toutes les compétitions sans clean sheet. Est-ce que ça permet de trouver des solutions pour ce problème? Dans le football, il y a le but de l'adversaire et de nous. Normalement, il faut gagner les matchs. Aujourd'hui, ça gagne les matchs. Je comprends que toujours la critique, c'est plus la... quan il y a la defecte que quan il y a la victoire. Parce que quan il y a beaucoup de matchs consecutifs a 0 but, s'ha de dir pas beaucoup. Mais normalment, de cette compétition, nous avons joué... Nous avons gagné 4 matchs et je pense que som l'équipe moins but encaixé, je pense, de cette compétition. Alors, je pense que som 3 buts, je pense, dans toute la compétition. Nous avons fait, je ne sais pas, 4 matchs, 0 buts. Alors, c'est le futbol. Si tu regardes le futbol de tout le monde, il y a but. Alors, bien sûr que quan tu es plus fort, je pense que l'important és que l'equip aujourd'hui ha gagné i ser un victoire per restablir aquesta situació. Normalment, il faut parler clar, el futbol professional, quan tu perds un de 3 matchs, hi ha una sensació de dificultat, hi ha una situació d'enervé. Je pense que c'est fàcil, c'est simple, no? Jo arribo a aquesta conclusió. Jo no t'ho dois pas explicar, tout le monde connaît ça. Alors, aujourd'hui, heureusement, nous avons gagné. Je pense que nous devons utiliser à l'intérieur de l'équipe cette victoire pour corriger toutes les situations. Bien sûr que nous voulons... l'équipe a travaillé beaucoup de matchs très bien défensivement, 0 but à notre but, beaucoup de matchs. Et maintenant, nous devons récupérer ça aussi. C'est vrai, je ne te peux pas dire non. Mais le football, parfois, il y a... c'est comme ça. Mais je pense que cette victoire, nous devons utiliser la victoire. Je pense que l'équipe a besoin de cette victoire pour cette récupération morale. Yeah, we played with the under-19 team, and I thought we did very, very well. But obviously, you know, the result is the result, but I thought we had a lot of opportunities. We played like this the whole Confederations Cup, where we possibly could have won the game. Yes, they had chances, but we also had some very, very good chances. And I thought we played good football. But the result wasn't there. But if you look at the players that we played, none of the first team players. So it's a good, you know, it's a good learning curve, but it's good for the future of the club.
نعم لعبنا بفريق الشاب ولدينا اداء حسن لكن النتيجه مخيبه وهي تعكس مشاركتنا في هذه المنافسه الصعبه في كثير من المباريات كان نفس الاداء لكن ضيعنا فرص كما ضيعنا فرصا كثيره وهذا شيء مؤسف لكن استعمال لاعبين شباب في هذه المباراه جيد لكسب التجربه فيما يخص مستقبل المباريات الافريقيه للنادي. What do you think about your opponent? And do you think that this team could win the trophy for a second time? I can't comment on the opposition, sorry. It's not for me to comment on the opposition, you know, what I think or what I don't think. They're a good side, big, lot of experience, you can see, and strong. But for me to comment on them, you know, how far they go, I can't comment on that, sorry. صحيح ان لعبنا بنقص التجربه امام منافس قوي هو الحزام لكن ليس من تقاليدي ان اعلق على المنافس. اوكي. السلام عليكم. في ظل ما كان يقول المدرب في المؤتمر الصحفي بالامس وفي ظل النتائج التي يمر بها فريقه هل يفكر في استقالة تخلي عن منصبه كمدرب الفريق وبحث تجربة جديدة أم أنه سيخوض هذه المغامرة ويستمر في نادي سوبر سبور يونايتد؟ Seeing the poor results, according to the poor results of your team during this Confederation Cup, do you think to resign or to continue carry on in order to obtain better results? No. We played, we traveled Tuesday. We played Wednesday night, 2-hour flight. We flew back Thursday. We flew here Friday. Played Saturday. We fly back tomorrow, Monday. We arrive Tuesday. We play Wednesday. We play Saturday. We play Wednesday. But the first team, so the management know, I've been instructed to play, that's what we do for this tournament. سافرنا إلى الخميس وصلنا أمس لعبنا اليوم سنعود غدا سنصل يوم الثلاثاء ثم سنلعب يوم الأربعاء ثم نلعب يوم السبت ويوم الثلاثاء هذا هو التسيين الذي نحن مجبرون على القيام به إذا لا يمكن أن نعلق وأن نقيم مدربا بمثل هذه الوتيرة المجنونة. I should answer that question. Give me their budget, I'll show you how to win. Yeah. سؤال فقط يوم أمس في الندوة الصحفية أو يعني عودة لكركوش قال إنه سفريات العديدة في كأس الكاف هي اللي خلت الفريق يكون يعني دائما مشي في المستوى. اليوم شفنا أن الفريق كان في مستوى جيد أمام بطل كأس الكونفدرالية وش لنا على الفريق إنه يوصل الحلم الإفريقي ويتأهل للدور الرابع نهائي. You said yesterday that the long trips are the best problem for you in order to not perform in this competition. But today we had seen that your team was very good. What's the real problem? Is it problem of experience or? Yeah, finance. Finance. Yeah. So we do it on a budget. We brought 16 players. We come day before. We don't come 2 days before. But we're a club that believes in our youth, so that is the our club, what it's about, and we run on a very small budget. I bet you your lowest paid player here is my highest, or wouldn't even, not even my highest paid player. So we believe in young players. That's the club, and my job is to produce players to
to go to Europe, which we've got two going already, not from this group, they're not even here. And we, that's what we do. But we have to look after our franchise, we have to look after our, what do you want to call it? We have to, because we can't afford to be at the top league. And for what we do, we overachieve as a club. But that's important for us to play. We've played every game like this, and we could have won, we haven't. But domestically, we should be top eight, but we're in the top two, three. So the club is doing okay. المشكل هو مشكل أموال لدي ميزانية منخفضة والدليل على أننا أتينا أمس في 16 لاعبا فقط وتسعة أعضاء من الطاقم الإداري والفني نظرا لنقص الأموال ليست لنا الإمكانيات المالية لكي نأتي برحلة خاصة لكن هذا المردود نشاهده في كل أسبوع في النادي في البطولة وحتى في الكؤوس الإداري لكن نقص الخبرة لكن هذا هو رهان المراهن على اللاعبين الشباب بسبب نقص الاموال لو ننظر الى ميزانيتنا نحن في المرتبه الثامنه في الدوري الجنوب افريقي لكننا دائما بين الاثنين ثلاثه الاولين لاننا نراهن على الشباب كثيرا